Salut à tous, c'est Ralga pour ce 40e épisode de Regard dans le rétro déjà. Et on commence aujourd'hui une nouvelle série sur un nouveau jeu, donc sur PlayStation avec son magnifique logo d'intro que je vous ai laissé en entier. Quelle nostalgie. Et bon, il suffit pour vous de regarder sur les côtés pour savoir de quel jeu on va parler. C'est évidemment Hercule, adapté du film du même nom de Disney. Donc un jeu de plateforme sorti en 97 comme le film. Donc développé par Disney Interactive et Eurocom. Eurocom qui est aujourd'hui disparu. Comme beaucoup de boîtes de cette époque d'ailleurs, hein, ou même avant. Donc je vais faire une vidéo par niveau en fait, normalement. Sauf si je galère vraiment sur certains niveaux. Mais pour l'instant, on verra. Comme vous pouvez le voir, hein, ils ont eu les droits de tout, hein, de la musique, donc là c'est de zéro à héros, hein, la musique du film. Donc on va commencer une partie tout de suite. Je suis en moyen avec 3 vies, j'ai pas changé les options du tout. Mais alors juste une question, est-ce que ce loupio pourrait mettre en danger ma prise de contrôle? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh non, tu sais, nous ne sommes pas habitués à révéler le futur. Exactement. Les planètes seront en parfait alignement. Oh, ça rime en plus. L'agir, enfin viendra le temps, libérant les titans, ces monstres dégoûtants. Oui, bien, c'est bien. Un Lord Zeus, l'orgueilleux, vaincu, abdiquera. Et toi, Hadès, tu mise en garde à cette histoire. Oui, je... Contre Hercule, pas d'espoir d'emporter la victoire. Donc voilà un extrait du film. Hein. Donc le jeu reprend la trame scénaristique du film. Hein, et on commence directement en fait avec l'entraînement avec Philoctète, le satyre. Donc je vais présenter rapidement le jeu, hein. Donc c'est un jeu de plateforme, on saute, hop, on saute, donc nous avons Hermès qui sert de checkpoint à gauche, hein. Nous pouvons donner des coups de poing, voilà, comme ça, ou en uppercut, hop, voilà, et des coups d'épée, et en fait l'épée, est, c'est vachement mieux, mince, trop loin, hop, donc le niveau est très très simple, hein. Hop, nous avons Philoctète en arrière-plan qui débloque les passages, hein, et qui nous commente. Donc hop, nous pouvons également faire ceci. Mince. Voilà. Mince, faut que je me baisse. Voilà. Ça fait monter la plateforme et ça permet de récupérer les pièces en haut. Donc dans chaque niveau, il y a toutes les lettres du mot Hercule. Avec un S, hein, parce que c'est Hercule en anglais. Herculi. Et je sais plus ce qu'on a en bonus, mais on a un bonus si on les débloque toutes. Hop. Peut-être un niveau bonus ou des vies supplémentaires, je sais plus. Voilà. Donc je disais la trame scénaristique du jeu et du film. Donc... Hercule est le fils de Zeus et Hera. C'est pas tout à fait comme dans la mythologie, donc la trame du film. Donc Hercule est le fils de Zeus et Hera, mais Hadès lui fait boire une potion. Enfin, s'arrange que pour que peine et panique, les deux diablotins fassent boire une potion qui le rend mortel. Sauf que il ne boit pas tout jusqu'à la dernière goutte. La dernière goutte lui échappe et il garde sa super force. Il est envoyé sur Terre et récupéré par Amphitryon et Alcmène, donc deux humains, qui vont l'élever comme leur fils. Et il est en train de devenir un héros, enfin s'entraîner pour devenir un héros sous les ordres de Philoctète. Hop. Hop, donc c'est un peu difficile de toucher les trucs en mouvement parce que je sais pas si vous vous rendez compte à la vidéo.
mais les mouvements d'Hercule sont très très lents à se déclencher. Disons que... Mince, hop. Il y a l'animation pour sortir l'épée, pour la remettre, enfin... il y a beaucoup de temps entre deux coups d'épée en fait. De même, les sauts sont très très lents à se mettre en place. Donc voilà, nous avons une nouvelle poupée. Mais crève poupée de... Voilà, ça c'est une poupée Hercule qui augmente la longueur de notre barre de vie. Ça c'est un pouvoir. Enfin l'épée, ce qui fait que je les userai pas donc, pour l'instant, mais en gros ça donne des pouvoirs spéciaux à notre épée. Donc là, pouvoir de foudre. Hein. Et donc là, Herculade. Et un bonus de vie. Hop. Donc là, nous avons les oiseaux. Saleté d'oiseau. Hop. Mince. Alors, les oiseaux dans ce niveau ont un comportement assez bizarre. Donc c'est qu'ils patrouillent donc de gauche à droite, hein, ça vous l'avez remarqué. Mais que si on... En fait, ils pop automatiquement dès qu'on passe une certaine ligne. Hop, hop. Aïe. Et du coup, si on repasse plusieurs fois par la ligne, il y a plusieurs oiseaux qui vont pop. Et il y a moyen de se faire submerger très facilement. Hop. Là, je monte pour me mettre à hauteur des oiseaux. Je sais pas où ils sont. Mais faut surtout que je les détruise rapidement, enfin au fur et à mesure, si je veux pas me faire submerger. Ok, bon, je peux pas choper la pièce, je sais pas si c'est normal. Hop, je vais réessayer. Bon, ok, donc jeu de merde. Donc là, je pense que vous vous rendez bien compte que à quel point Hercule est lent. Enfin, je dirais pas lent, mais pas tôt. Hop. Voilà, quand je galère à tuer ces oiseaux là. Ouais, par exemple là, je dois être sur une ligne où il y a les oiseaux qui pop ou pas loin et je peux facilement me faire submerger si je les détruis pas au fur et à mesure. Je vais descendre pour récupérer une Herculade. Voilà. Hop. Faut que je fasse le ménage là. Voilà, un piaf, deux piaf, moi je vais avancer. Donc nous avons maintenant une phase avec des requins. Aïe. Oui, concentre-toi, concentre-toi. Je sais pas si vous remarquez, vous avez remarqué, mais la voix est celle de Patrick Timsit, hein, le doubleur officiel de Philoctète dans le film. Hop, voilà. Parce que évidemment, le Herculade d'ailleurs aussi est fait par le doubleur officiel de Hercule, dont j'ai oublié le nom, mais que ça me reviendra sûrement sur le moment, enfin sur un moment. Aïe. Donc un checkpoint. Donc là nous avons un nouveau mécanisme. Voilà. Nous avons moyen de charger notre point. Vous avez une barre éclair en haut à gauche qui charge. Quand il y a le bruit de clochette de ring, elle est chargée à fond et on peut le détruire en un seul coup. Voilà. Donc ensuite nous avons les potiches comme celle-là. Il y en a 4. Enfin les amphores, les pots quoi. Hop. Il y en a 4 par niveau et si on a les 4 du niveau... À la fin, on a le mot de passe pour accéder au niveau suivant. Pour reprendre là où on en était. Parce qu'il ne donne pas les mots de passe automatiquement. Ce qui est un peu... Enfin... Du coup, il y a des objets cachés dans le jeu. Aïe. Herculade. Voilà. Donc là, nous avons une épée de feu que je vais pas encore utiliser ici. Hein. J'ai rien pour vous montrer en fait. Aïe. Aïe.
Voilà, j'ai plein d'oiseaux d'un seul coup là. Faut que je nettoie au fur et à mesure. Voilà. Hop. Piaf de merde. Voilà. Encore un. Qui doit être derrière mais qui va. Donc nous avons un nouvel Hermès. Notre barre de vie augmente encore. Je pense au maximum là. Voilà. Donc encore une épée spéciale que je. Oula. Donc là faut que je passe en courant. Hop. Donc hop, des pièces encore. Nouvelle mécanique. Nous pouvons soulever des pierres. Nous sommes évidemment un peu plus lents lors du déplacement. Je peux l'utiliser pour choper des pièces. Mince. Voilà. Voilà, donc je pose là pour accéder à la plateforme en haut. En tuant des piafs qui me font un peu chier. Hop. Donc évidemment j'ai loupé pas mal de lettres, en l'occurrence 3. Est-ce qu'elles sont dans l'ordre les lettres? Aïe. Boule de feu lancée par les cibles. Hop, je vais choper les Herculades qui est en bas. Voilà. Normalement, il n'y a plus de piaf. Peut-être un encore. Oui, il y en a encore un, mais ça va le faire. Hop. Hop. Non, ne pop pas maintenant, bordel de merde. Pardon. Mais est-ce qu'évidemment, si je me fais toucher, je perds de la. Mince. De la vitesse ou de. Pourquoi je peux pas choper l'autre en haut? Bordel. Voilà. Hop. Donc là, il n'y a plus de piaf dans le ciel, donc ça va être simple. Hop. Voilà. Herculade. Et nous arrivons dans la dernière partie du niveau où nous avons un système de fausse 3D. Parce qu'évidemment nous sommes sur PlayStation, donc nous pouvons gérer la 3D, mais comme vous pouvez le voir, c'est de un niveau de. Enfin, c'est des graphismes 2D, mais il y a quand même une fausse 3D où avec là où il y a les chemins, je peux aller au premier ou au deuxième plan. Voilà, hop, j'ai encore des trucs à récupérer. Donc là, je peux remonter. Encore, donc nous avons un sac en haut. Hop, nous avons une Herculade à gauche. Nous avons une potiche au fond. Alors évidemment, les arbres au premier plan, ça cache pas mal d'objets. Comme il y a plein d'objets cachés, je saute pour voir s'il y a des trucs. Hein. Donc là, nous avons une potiche, mais je dois pas avoir les 4 pour avoir le mot de passe. Donc là, vous voyez, j'ai eu que 4 lettres sur les 8. Et pourtant, j'en ai pas vu d'autres. Je sais pas trop où elles sont d'ailleurs. Hop. Hop. Comme vous pouvez le voir, hein, le premier niveau est pas très compliqué, hein, mais c'est le premier niveau.
la plateforme, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais les graphismes sont très fidèles à l'univers. Nous avons Féotec qui nous montre son cul. Et nous venons d'arriver à la fin du niveau. Donc fin du niveau, ça veut dire fin de la vidéo. Mais avant chargement, parce que nous sommes sur PlayStation et support CD, donc forcément nous avons des chargements. Donc vous voyez, comme je disais, je n'ai eu que 4 lettres sur les 8 du mont Hercule. Il y a également un pourcentage de complétion du niveau avec les pièces. Je dois pas être trop mal, près de 80% je pense. Voilà, 82%. Puis voilà, partagez cette vidéo si elle vous a plu. Suivez Ivasone sur Facebook, sur Twitter, sur Steam. Et puis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao !